Première coiffure de mon nouveau-né. Le 40e jour de la naissance de notre petit garçon Hamza est consacré à sa première coiffure. À cette occasion, mon mari et moi avons organisé chez nous une petite fête pour immortaliser cet événement heureux. L'après-midi de ce jour-là, le coiffeur est venu à la maison pour raser les fins cheveux de notre bébé en présence de nos amis et des membres de notre famille. Tous sont venus assister à cette occasion et partager notre joie. Ils lui ont apporté des petits cadeaux. Ma mère nous a offert une petite boîte en bois dans laquelle j'ai gardé soigneusement les premiers cheveux de mon bébé. Tous nos invités ont dégusté de savoureux gâteaux accompagnés de thé à la menthe. Quel bonheur de vivre cet événement en famille! De quel type de texte s'agit-il? Quel est le type de ce texte? Il s'agit d'un texte narratif. Pourquoi il raconte une histoire? De quel événement parle l'auteur dans ce texte? L'auteur parle de la première coiffure d'un nouveau-né. L'auteur parle de la première coiffure d'un nouveau-né. À quel âge s'effectue la première coiffure du bébé? La première coiffure du bébé s'effectue au 40e jour de la naissance. La première coiffure s'effectue au 40e jour de la naissance du bébé. Quelle personne invite-t-on pour réaliser le rasage? On invite le coiffeur pour réaliser le rasage à la maison. Pour réaliser le rasage, on invite le coiffeur. Comment la famille de Hamza rend-elle cet événement inoubliable? La famille de Hamza organise une petite fête à la maison pour rendre cet événement inoubliable. Ou bien pour rendre cet événement inoubliable, la famille de Hamza organise une petite fête à la maison. Vous allez trouver les réponses sous forme d'écrit. Vous allez trouver ces réponses écrites à la fin de la vidéo. Lahidal An, Bad, Al-Jumul Première coiffure de mon nouveau-né. Tani, Al-Hilaqa Al-Oula. لشعر الرضيع المزداد حديثا متى تتم هذه الحلاقة؟ في اليوم 40 من ازدياده le 40e jour de la naissance de notre petit garçon Hamza. Alors on a l'auteur c'est la maman. الكاتب هنا أو المتحدث هو الأم أم هذا الرضيع الصغير حمزة فهي تحدثنا عن يوم أو حدث حلاقة شعره وذلك في اليوم 40 من ازدياده Le 40e jour de la naissance de notre petit garçon Hamza est consacré à sa première coiffure. Alors, في اليوم 40 بعد ازدياد حمزة إذن عندما وصل 40 من عمره 40 يوما من يومه خصص هذا اليوم لحلاقة شعره الحلاقة الأولى للشعر
À cette occasion, mon mari et moi avons organisé chez nous une petite fête. Pour immortaliser cet événement, alors, l'après-midi de ce jour-là, le coiffeur est venu à la maison. الحلاق هو الذي حضر إلى المنزل لحلق شعر هذا الصغير pour raser les fins cheveux الشعر الرقيق les fins cheveux de nous, notre bébé en présence de nos amis et des membres de notre famille بحضور الأصدقاء وأفراد من العائلة. Tous sont venus assister à cette occasion et partager notre joie. كلهم حضروا كلهم قدموا للمشاركة في هذه الحفل وتقاسم سعادتنا. Ils lui ont apporté des petits cadeaux. لقد أحضروا له هدايا صغيرة. Ma mère nous a offert une petite boîte. الأم أم الأم هنا لأن الأم أم الصغير هي التي تتحدث. إذن الجدة هنا جدة الصغير هي التي تحضر علبة من الخشب. Ma mère nous a offert une petite boîte en bois dans laquelle j'ai gardé soigneusement les premiers cheveux. الجدة هي التي أحضرت علبة من الخشب وضعت فيها الأم بدقة شعيرات أو شعر هذا الصغير الشعر الأول الذي تم حلاقته. Tous nos invités ont dégusté du savoureux gâteau accompagné de thé. جميع المدعوون أو الحاضرون هنا لهذا الحفل تذوقوا حلويات لذيذة مصحوبة بالشاي بالنعناع accompagné de thé à la menthe. Quel bonheur de vivre cet événement en famille. يا لها من سعادة أن تعيش هذا الحدث مع العائلة. كنتمنى يكون الشرح ديالي واضح وبالتوفيق للجميع. دائما ندعوكم للاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على زر الإعجاب وإلى اللقاء.